Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur PS5 pour Gotham Knights. Donc, Gotham Knights plutôt. Prononce pas le K, logiquement. Alors, mon nez ça va mieux, mais c'est pas encore le top. Et après la vidéo de Plague Tale, j'ai eu une inflammation des cordes vocales. Ce qui fait que dès le lendemain de cette vidéo, en gros, quand je me suis levé le matin, je parlais comme ça. Donc on va finir un médicament qui est quand même bien efficace, puisqu'aujourd'hui je peux parler. Mais on va y aller doucement. Et on va faire défragmenter le fichier vidéo et on va se lancer. J'avais dit peut-être pas une découverte, mais bon, au final... Oh, je suis emmêlé dans les fils. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Je vais bouger un petit peu le micro. Pardon pour vos oreilles. Je couperai à ce moment-là. En fait, voilà, on a des traits à chaque fois. Acrobate, combo rapide, expert des bâtons. Furtivité, génie tactique, machin. Force brute, ouais, bah oui. Ok, et elle. J'aurais bien essayé Red Hood. Je suis désolé, j'ai pas enlevé les notifications des mises à jour, etc. Bon, alors le jeu est bloqué à 30 FPS. Il n'y a pas de mode performance ou voilà. Ils ont expliqué ça par le fait que comme il y a de la coop, tout ça, en gros, il faudrait que tout le monde soit pareil. Et qu'avec le niveau de détail qu'ils ont mis avec tout ça, en gros, pour eux, c'était pas possible. Donc on est sur du 30 FPS. Là, comme ça va. Maintenant, il faudra voir en combat, ça me fait un petit peu plus peur maintenant. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas du tout de baisse de framerate. J'espère surtout que le jeu va être plutôt joli, parce que si les mecs ils commencent à nous dire ah non non il n'y a que du 30 FPS parce que le jeu on a mis plein de détails et tout, bah il y a plutôt intérêt. Oui. Que si en plus c'est pas très beau. Ça va être un tout petit peu énervant. Je vous l'ai dit, on est sur la version PS5 là. Le jeu est aussi dispo sur Series X et sur PC normalement. Alors, on a réussi à identifier le type de la fac. Kirk Langstrom. D'accord. Je transmettrai en allant à la morgue. Ouais, ça va être difficile de lui parler là. Bon, notre scientifique s'est fait refroidir. Où est son bureau? C'est vrai? Merde. D'après nos dossiers, son bureau est au troisième étage de Moulton Hall. Merci. Bon, pour l'instant, quelqu'un a laissé les portes ouvertes au troisième. Assez simple. Je me tâte, alors peut-être que la vidéo, je vous l'aurais bien raccourci, j'aurais coupé toute l'intro, parce qu'il y a 13 minutes quand même. Je sais pas. La police n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose. Langstrom a dû caner ailleurs. Ah, faut le maintenir, d'accord.
traces sont bizarres. J'ai pas grand chose de mon côté. T'as besoin d'un coup de main ? Claire. T'es pas obligé de faire ça tout seul si tu le sens pas. On dirait que tu me fais pas confiance, Nightwing. Il te faisait confiance, alors moi aussi. On va finir ça pour lui. Ouais, t'as raison. Je te fais signe si je trouve quelque chose. Ah ouais, les traces vont jusque là. Excusez-moi. Apparemment, les flics en ont eu marre et ils sont rentrés chez eux. Langstrom travaillait quand on l'a attaqué. Il a perdu beaucoup de sang, et vite. Il a essayé de s'enfuir, mais son agresseur l'a cloué au mur. Il n'avait aucune chance. Juste avant de mourir, Langstrom a essayé d'atteindre ce meuble. Qu'est-ce qu'il contient de si important ? Tiens, une porte secrète. Vous êtes plein de surprises, Docteur Langstrom. Je peux peut-être entrer un code sur le thermostat. Et le code, il va me le falloir. Langstrom avait peut-être un moyen d'ouvrir sa porte secrète depuis sa tablette. Ce micro-ondes m'a l'air bizarre. Bon. Là, il nous dit qu'il y a de la place pour afficher trois chiffres sur le micro-ondes. On va enfin savoir ce qu'il a chié, Langstrom. Voyons voir ce qui est caché par ici. Ça sent pas très bon, mais... Mais c'est quoi ce bordel ? Quelle horreur. C'est pas des recherches universitaires classiques, ça. Oh, l'angoisse. Tomber là-dessus, honnêtement. Voyons ce qu'il fabriquait ici. Excusez-moi. Pour être caché ici. Ah. Je vais le rapporter aux autres. J'ai terminé ici. Je crois que les flics sont passés à côté des traces au mur et du laboratoire secret. Je rapporte le disque dur que j'ai trouvé à l'intérieur. J'ai hâte que tu me racontes tout ça. A tout de suite. Bah, y a pas grand chose à raconter là, hein, pour le coup. Mais je pense que je vais vous avoir coupé l'intro complètement. Parce que la vidéo d'introduction, comme ça vous laissera la surprise, et elle dure au moins 15 minutes. Donc, je vais vous la couper. Sérieux ? Personne n'a pu me voir. C'est vraiment une ville de punk à chien, Gotham. Hein. Parce que chez eux, la délinquance, c'est à coup de grenade, à coup de... Enfin, quand même. Bon. Ok, donc là... On peut maintenir hein, pour mettre des coups plus forts. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait ça. Maintenant, okay. Les parias s'amusent à mettre le feu. Ouais, super.
On a le rond pour esquiver. Je vais aller gâcher leur petite fête. Bim. Je dois m'occuper de ses potes avant qu'ils mettent le feu à toute la fac. Ça va être un système de combat, pas forcément. Pas forcément super recherché et tout ça, mais ça va être fun. Ouais, c'est ça. Donc on a une notion d'XP évidemment. Après vous avez vu, il y a un système de niveau sur les ennemis du coup. Voilà, on va tous les flinguer comme ça. Parce qu'on a un bonus, visiblement on a un bonus. Si on se fait pas repérer. Il doit y en avoir d'autres à l'intérieur. Donc on a les attaques à distance et les attaques lourdes à distance. Ok. Merde, tout le bâtiment va partir en fumée. Des otages. Faut que je me bouge. Double esquive. On va y aller un peu comme une brutasse là, cette fois. Ah, j'allais dire double esquive, mais non, je l'ai raté celle-là. En fait, il va falloir que je fasse plus attention et que j'esquive un peu plus. Après. J'imagine qu'on a un arbre de compétences. On va aller libérer les otages. Bon. Il est gros celui-là. Aïe 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 aïe.
fait, là, quand il a son bouclier rouge, que je me casse rapidement. Bon, par contre, il y a des moments où on va pas se mentir, le timing est un peu short, mais bon. Après, faut aussi le temps que je prenne en main le jeu. Hein. Allez, ta maman. Non, ça va. Superman Punch. Les pompiers et les secours sont en chemin. Pas trop de mal? Ça va. Je ramène le disque dur que j'ai trouvé pour qu'on puisse le craquer. On trouvera peut-être pourquoi Langstrom est mort. Bon. Allez, on sort de là. D'accord, je reste vraiment sur le point précis. Alors, s'éjecter à quel un freiner, déraper, machin, accélérer, attaque à distance, ok. Entre des fois, vous avez intérêt à être là-bas. Génial, ça fait une éternité que j'ai pas analysé des Ça va rien eux. Parce qu'en vrai, on est là pour les aider quoi. Oulala. Bon, c'est un peu dommage qu'on soit quand même bloqué. En 30 images secondes. Parce que là, ça se ressent quand même. Bon, après, ça n'empêchera pas de. Jouer au jeu et de m'amuser dessus, mais bon. Merde.
Bon, il y a des petits temps de chargement. Quand même. Ils sont pas très longs, ça va. C'était bien joué d'avoir ce disque dans le labo de Langstrom. Bah ouais, c'était bien joué. En même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Quand on aura toutes les données, on pourra décider de la suite du programme. Je me casse. Je vais pas rester là à attendre. Attendre je sais pas quoi. On attend des données, Jason. Quand on les aura, on partira. Bouge. Je vais régler ça à ma façon. Fais pas ça! Il voulait qu'on résolve ça ensemble. Si tu le dis. Mais ça complique les choses pour rien, petit. Bon, eh ben, comme on est obligé d'attendre, on a qu'à jeter un œil aux infos que Bruce avait sur Langstrom. Merde, ça doit être le deuxième disjoncteur. Le principal a sauté il y a des mois, celui de secours devait tenir. Je m'en charge. Inutile. J'ai bricolé quelque chose qui devrait tenir un petit moment. Alfred. Je suis content que vous soyez là, Alfred. Je serai toujours là si vous avez besoin, Maître Richard. Il en va de même pour chacun d'entre vous. Je suis content de vous voir. Moi aussi, Maître Tim. Cet endroit a besoin d'un rafraîchissement. Et merde, il y a des alertes partout, dans toute la ville. Cool. On va devoir suivre mon plan, alors. Attendez. Il nous faut quand même les données. Et Alfred ne peut pas vraiment préparer cet endroit tout seul. En effet, Mademoiselle Gordon. J'ai une liste de matériel à trouver. Je pourrais m'en charger seul, mais ce serait plus rapide avec de l'aide. On va se répartir les tâches. Comptez sur nous, Alfred. Finissons ce que Bruce a commencé. Bon. Mon nez, c'est de pire en pire. Plus on avance, plus mon nez, il est pété. Donc là... Ok. Donc là, on a du coup les points de compétence. Ok. Donc sur tireur d'élite, bagarreur, vengeance et chevalier à la fin. Ok. Donc là, j'en ai un. Donc on va le mettre. Ouais. Ouais, ok. Là. Votre première capacité d'élan, cette dernière sont uniques à chaque personnage, nécessite de l'élan pour être activée. Lorsqu'une capacité d'élan est prête, son icône à droite, d'un machin. Utilisez une capacité d'élan, maintenez R1 plus une touche assignée. D'accord. Ok. Bon. Ensuite, on a la carte. Est-ce qu'on peut dézoomer pour voir la taille? Ah ouais. Bon, c'est quand même pas mal. Ok. Il y avait des trucs vraiment craignos dans le labo de ce type. T'as trouvé des trucs sur le chantier? Rien. Tout a été soigneusement nettoyé. On dirait que quelqu'un l'a fait fermer. J'espère que le disque dur que tu as rapporté nous donnera des réponses. Ça va prendre des plombes de décrypter ce truc. On devrait être dehors, faire quelque chose. Trouver celui qui a fait ça à Langstrom. Jason, on sait bien ce qui arrive quand tu fonces tête baissée sans avoir toutes les cartes en main. On a déjà perdu un membre de cette famille. Ne prends pas de risques inutiles. C'est juste que je me demande... Si j'avais pas fait ces trucs, est-ce que Bruce m'en aurait parlé? Il me faisait pas confiance? Jason... Il a parlé de cette affaire à personne. Pas avant d'y être obligé. Et quand il en a parlé, c'était à toi. Donc évidemment qu'il te faisait confiance.
Et moi aussi, je te fais confiance. Merci, Barbara. Et du coup, si jamais on veut changer de perso, comment on fait? Je suis en train de me poser ça. Comme question, dossier, défi, ok. Inventaire. Donc, on va avoir aussi des tenues, donc, avec des statistiques. Important. Des armes, des munitions, tout ça, ok. Fabrication. On va pouvoir fabriquer les tenues et tout ça. Des modes, ok. Et bon, du style, ça après. Ouais, pourquoi pas. On peut déjà modifier quelques trucs, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Bon. Sortons d'ici. Ouais, on va aller faire une petite patrouille, puis après on va s'arrêter là. Je pense que ça suffira bien. La carte, ouais, ok. On peut faire ça, ok. Attention. Ah, il y a des niveaux 3 quand même. D'accord. J'aurais peut-être dû faire un peu plus attention. Là, je joue comme une quiche. Sans connaissance. Ok. Là-bas, il y a des mecs de la mafia. On va peut-être se méfier un peu parce qu'à un moment le train va bien arriver. J'ai pas fini. Des amorces. Ça mène pas.
Tiens. Bim. Bah oui les gars. Moi je vais faire le boulot que les flics veulent pas faire. Bon, faut. Heureux d'annoncer que nous sommes pleinement opérationnels. Cependant, avant de rentrer. Laissez-moi deviner. Je dois aller chercher un truc. Le disque dur du laboratoire de Langstrom requiert une clé de biodécryptage. Biodécryptage? Donc c'est sur son corps. Je dois aller à la morgue du GCPD, c'est ça? C'est exact. Étant donné les nuits à Gotham en ce moment, ça devrait être calme au commissariat, relativement. D'abord la fac, ensuite les flics, en une nuit. C'est tout ce que j'évitais quand j'étais jeune. Ah ouais, donc là en fait, maintenant, faut vraiment que j'aille... Que j'aille là-bas, d'accord. C'est pas mal ce grappin pour se déplacer. Les flics sont en alerte. Je peux pas me pointer à la porte comme ça. Non, c'est sûr qu'on peut pas. Pas ouais, s'il y en a pas. Il y a peut-être moyen de rentrer. C'est pas ça que je voulais faire. Ils sont beaucoup. Ils étaient beaucoup, à mon avis, valait mieux pas chercher la merde. Oh là là. Voilà, même en coupant l'intro, on a largement dépassé le temps de vidéo habituelle. Je pense qu'on va s'arrêter là, on va pas aller au bout de cette mission, parce que là, ça fait vraiment une grosse vidéo. Ok, j'y suis. Alors, où est la morgue déjà? Les plans indiquent que la morgue est de l'autre côté des bureaux. Faudra pas se faire voir. Ça va être compliqué, ça. C'est pas mon fort, la discrétion. Bon, écoutez. En tout cas, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Il y a un mode photo, c'est plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. Bon. On va s'arrêter là-dessus. C'est une grosse vidéo.
Après, c'est une grosse sortie en même temps, donc voilà. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.